Donc la politique, pour moi, c'est pas mauvais. Pourquoi pas faire la politique en étant un homme de Dieu? C'est pas mauvais parce que la politique veut simplement dire la gérance de la cité. C'est ça, donc c'est pas compliqué. Et ce que j'aime avec l'Éternel, les hommes forts de la Bible, les hommes puissants de la Bible, sont les hommes qui ont géré des grandes villes, les hommes qui ont géré les pays. Par exemple, quand je parle de David, c'était un roi puissant, un roi reconnu. Et ce que j'aime fort, c'était aussi un homme de Dieu, un adorateur, un chantre. Beaucoup de gens confondent la louange et l'adoration. Il y a ma fille qui m'a dit que l'adoration veut dire des chansons douces et que la louange signifiait des chansons un peu chaudes, là. Non. L'adoration, c'est quand quelqu'un dit à Dieu ce que Dieu est pour lui. Par exemple, quand je dis, tu es ma force, tu es mon soutien, je n'ai que toi dans ma vie, là, je suis en train d'adorer. Et lorsque je dis, merci, bravo Yahweh pour ce bébé que tu m'as accordé. Merci pour la promotion, merci pour l'élévation. Ça, je ne suis pas en train d'adorer seulement, mais je suis en train de louer. Donc, je signalais ça. Et c'est vrai qu'avant, il y a eu un peu des mélodies, un peu la douce, bien que ça pouvait être des louanges, mais avec des mélodies très calmes là. Et moi, je dirais, c'est pas mauvais. Et d'hier et d'aujourd'hui, quand ça cadre avec ma louange, je loue. Quand ça cadre avec mon adoration, j'adore le Seigneur. Je signale encore que gospel veut simplement dire message. Hein. Parce que les chanteurs, quand on les a fait du gospel, c'est comme si le gospel veut simplement dire les messages. Et en tout cas, Christ Jésus ne se manifestera jamais de la même manière, non. Partout, il y a les messages, parce que le message, Dieu travaille avec la saison, Dieu travaille avec les temps. Dieu sait que c'est l'année 2020, comme la Bible dit, donc chanter, adorant l'Éternel, chanter du gospel, pour moi personnellement, j'ai dit, si c'est la nourriture que le Seigneur m'accorde, donc c'est au bon moment. Pour nous, la musique, c'est pour transmettre le message. Dans la musique, comme nous avons reçu la définition, c'est l'ensemble des jolies mélodies, des jolis sons. Et travailler dans la maison du Seigneur, bien sûr, vous pouvez travailler dans la maison de Dieu et ailleurs, parce que le but est de communiquer les messages, si je peux dire fort. Le but est d'évangéliser par les sons. La politique veut simplement dire la gérance de la cité. Donc, si vous ne vous 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 en fait, soko lingi ba géroté obligatoirement ba géré. Donc, la politique pour moi, c'est pas mauvais. Pourquoi pas faire la politique en étant un homme de Dieu? C'est pas mauvais parce que la politique veut simplement dire la gérance de la cité. C'est ça, donc c'est pas compliqué. Et ce que j'aime avec l'Éternel, les hommes forts de la Bible, les hommes puissants de la Bible, sont les hommes qui ont géré des grandes villes, les hommes qui ont géré les pays. Par exemple, quand je parle de David, c'était un roi puissant, un roi reconnu. Et ce que j'aime fort, c'était aussi un homme de Dieu, un adorateur, un chantre. Donc, on peut servir Dieu en gérant aussi la cité. Un bon chrétien, un bon enfant de Dieu, bien enseigné, sait que les critiques, les insultes sont importantes dans la vie. C'est comme nous avons la saison sèche et la saison de pluie. Nous avons du sel et du sucre, nous avons le jour et la nuit, nous avons la. Donc, c'est-à-dire, des choses vont dès à la fois. Les critiques sont importantes. Entre-temps, ça peut vous aider. Comme tout à l'heure, je parlais de Tamar, je parlais du palmier, je dis, c'est plus qu'il y a des coups. Quand je parle des coups,
les épreuves, je parle des critiques, je vois les insultes. Et Christ a dit que le juste, quand la Bible parle de juste, on parle des enfants de Dieu, croissent comme les palmiers. Donc le Seigneur nous épargne pas de coups, le Seigneur nous épargne pas des insultes, des polémiques, le Seigneur nous épargne pas. Donc, les critiques, les polémiques, pour un enfant de Dieu bien enseigné, c'est important.